Salut les gens, c'est Kebel974, j'espère que vous allez bien. Là voici une petite vidéo sur un jeu que j'adore, que je trouve terrible, sur lequel ça fait très longtemps que j'ai pas joué, Killer Zombies. Allez, c'est parti! Ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas joué à ce jeu là. Et franchement, je me suis dit, allez, on va se faire une petite partie et puis en plus on va se faire une petite vidéo avec. Et donc celui-là, il fait vraiment partie des petits jeux qui paient pas de mine mais que j'adore vraiment quoi. Après buter du zombie en masse, franchement ça fait toujours plaisir dans un jeu. Voilà, le bon petit jeu bourrin où tu fais que tirer dans le tas, tu te fais pas chier à réfléchir à quoi que ce soit. Mode d'histoire, zéro, et voilà, ça c'est bien. C'est bien de temps en temps, franchement, ça fait du bien, ça sert bien l'esprit. Et puis vu que c'est un jeu où au bout d'un moment t'es vite submergé par les zombies, donc forcément tu joues quoi aller. L'amour corps c'est 13 minutes et 16 secondes quoi. C'est énorme d'ailleurs. Le mieux c'est quand même en coop. En coopération, mais le seul petit truc que je ferais comme reproche, c'est que si on veut faire de la coop, c'est sur le même écran. On peut pas faire de coop en ligne. Et je trouve ça pour le coup vraiment dommage quoi. Il commence à en avoir pas mal de zombies là. Alors, il va falloir qu'on fasse péter un peu de véhicule. Putain, je m'enferme. Oh la vache, c'est chaud là. Cours. Vas-y, là, il me faut un truc. Ah, bon Yaratata. Voilà. Voilà, vache. Oh, ça en va me buter un bon gros paquet. Voilà. Oh merde. Oh quel con. Oh quel con. Allez, on va prendre ça. J'aime bien ce truc-là. Merde. La petite musique qui va bien aussi. Ça sent la fin. Voilà. Non mais là par contre j'ai trop fait les cons. Eh ben on va faire ça. Paf, voilà. Voilà, je me fais mourir et j'ai pris le bonus opérateur. Et opérateur, oh joie, bonheur, épée dans mon cœur, toutes les armes sont débloquées. Et ça, ça fait grave plaisir. Et donc là, il y a des grosses sulfates, mais le problème des grosses sulfates, c'est qu'elles sont super longues à recharger. Allez, je prends le M16. Allez, le M16, il est puissant, et puis il est quand même assez rapide à recharger. Il a pas beaucoup de balles, mais c'est pas grave. Ah, j'avais fait le con, là. J'avais le Uzi qui est vraiment une bonne arme pour commencer. En fait, et là, j'ai trop fait le con. Hop. Là, ça va pas être la même, bande de putains de zombies de merde. Oula! Je vais rechoper ce petit pistolet à la con. Ah, qu'au début on a que ça. Hein. Et au début, quand on a que le pistolet, je peux vous dire que le temps de jeu, il est vraiment très limité. Hein. Le temps de jeu, il va vraiment très vite.
on a beau courir dans tous les sens, au bout d'un moment les zombies ils sont trop nombreux. Et avec le pistolet c'est vraiment la merde. Petit carnage. Putain, je viens juste de caler un truc là, mais on dirait le camping-car de Walter White dans Breaking Bad. Là, je suis un dingue, je passe au milieu. Là, ça m'a piqué. Ouh, chef de... Ouh là 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 là. Mon gars. Voilà. Allez, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ouh là 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 là, chaud. Ah, vous voyez, quand je vous dis qu'il commence après à avoir de plus en plus de zombies. Allez, 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 allez. Si on arrive à passer sur le bord, on se met pas mal. C'est quoi qui tombe? Ah, on fait péter les camping-cars. Oh putain. Oula la connerie, ça. Camping-car, allez, ah putain. Ah, je me méfie là, les... Arrête de me courir au cul, toi. Je me méfie des lasers, parce que les lasers sont là pour protéger, mais... Si on passe devant eux, on se fait buter, quoi. Là, les tubes verts que je ramasse, c'est pour me donner ça. Tous ces trucs-là, là. Donc, tout ce qui sert plus ou moins de bonus. Qui peut t'aider ou pas t'aider, quoi. Et là, celui-là, il est énorme. Voilà, je l'avais juste petit par-ci là. Par contre, quand ça disparaît après, ça picote. Oula, 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 il gagne temps avant de faire péter le camion. Allez, allez, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ah putain, non, au moment où je vais tirer. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Ouhouhou. Oh putain. Ah, ça n'a pas tué tant que ça, bordel de merde. Ouh, gamin. Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi, mais... Allez. Voilà. J'aime pas cette gun-là, mais bon... Allez, c'est bon. Je l'aime pas trop, mais par contre, il est quand même super efficace. Il faut juste... On va tenter... Ah, c'est de la merde, ça. Ah, je suis pas trop fan non plus, mais celui-là, il fait mal, quoi.
Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux un truc pour recharger plus vite. Enfin, si recharger plus vite, mais surtout me barrer plus vite, quoi. Bon, là, niveau life, je suis à fond. Mine de rien, on n'a pas l'impression comme ça, mais ça fait déjà 6 minutes que je suis en train de jouer, quoi. Ah, là. Là, ça recharge plus vite. Ah, non. À défaut, pour l'instant, de recharger plus rapidement. Ouh la vache, je vais me prendre un coup de laser, là. Il y a aussi des fois des bons gros trucs de merde qui tombent là, comme la carcasse de bagnole. Comme de temps en temps des pièces de Tetris aussi. Bon, ça va, il n'y a pas la musique parce que sinon j'aurais pété un plomb. Putain, pourquoi j'ai explosé ça? J'aurais pas vu. Tout à l'heure, si je suis en manque de life. Oula 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 oula, barre-toi gamin. Ah. Ah, pendant une seconde, du coup. Merde. Tiens, je te claque ta gueule. Ok. Ah, le boss. Eh ben c'est gars des boss. Et jusque là j'ai tué que le premier parce que j'ai jamais réussi. Voilà, merci. Hein? Libère-moi quand même. Parce qu'en fait j'ai jamais réussi à aller au-delà. Après quand on bute le boss, c'est vraiment la merde. Vas-y, énerve-toi, tape par terre là. Voilà, merci. Et encore une fois, voilà. Maintenant j'en prends pas ta gueule. Oula. Aïe. Et puis le boss, quand il est vénère, il fait ça quoi. Il y a toujours des zombies pour casser des couilles. Et voilà. Et oui, j'ai voulu tirer sur le boss. J'ai pas regardé les carrés. Il y avait le zombie qui était derrière. Tout pour que je crève, quoi. Et oui. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, c'est pas très long, j'espère que cette petite vidéo quand même vous aura plu sur Killer Zombies. N'hésitez pas, franchement n'hésitez pas à lâcher parce que c'est vraiment un jeu super sympa. Enfin moi vraiment j'adore, je suis un gros fan. Et donc n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et donc je vous dis à une fois prochaine. Allez, salut les gens.